Mesdames, messieurs, bienvenue à la Sbire Academy. Vous êtes ici pour devenir des sbires? Parfait! Nous allons faire de vous de bons sbires! Du moins, ceux qui vont survivre. Je suis Mademoiselle Cindy, et voici Monsieur Kim. Je serai votre sergent instructeur, et lui sera votre perfide adjudant. À partir de cet instant, vous ne vous adresserez à nous que sous les titres de chef et mon adjudant. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Plus fort, bande de rien, moi dit. Chef, oui, chef! Bien! Première chose à savoir! Sbire n'est pas un métier à la portée du premier abruti venu! Let's be, bande d'acolytes primordiaux pour toute en Europe, super vilain! Cela requiert du talent, du travail, mais surtout, surtout, une compétence exceptionnelle, primordiale! Cette compétence, c'est la survie! Un bon sbire est un sbire qui dure! Un bon sbire est un sbire qui est vivant! Même après avoir essayé de tacler Monsieur Indestructible, ou après s'être moqué de la bedaine de Hulk, quelles que soient ses blessures, un bon sbire se relève! Ceux qui ne sont pas exceptionnellement doués pour la survie succomberont à leur premier combat. Et ça, est-ce que c'est bon pour l'image de la compagnie de Tonton, Monsieur Kim? Comme le dirait Kang Seng-Hong, ça dobre du cul, chef. Et est-ce qu'on veut que Tonton dobre du cul? Chef, bon chef! Et pour cela, nous allons effectuer une sélection impitoyable. Nous allons tester en premier votre endurance. Tout en rang deux par deux. Salut! Désolé, mon bus a eu du retard. T'es la Gay Pride, t'es toi? Oh, pardon? Non mais c'est quoi ce costume? C'est ma maman qui me l'a tricoté, c'est doux, c'est de l'alpaga. Non mais tu te fiches de moi? Dégage! Mais t'as lu ma mère, dégage! Dégage, loin! Ou je t'en connais qu'il fera baloter les gros lots pendant un mois dans ton slip en chameau! Ninja comme! Ning podang! On a une ça! Qui est-ce qui arrive? Qui est-ce qui s'est permis de rire? C'est toi qui arrive, Spire Poilu! Quoi? Tu l'as vu, ma hache, Spire Poilu? Tu l'as vu dans ta gueule, ma hache, Spire Poilu? Non! Vous me faites tous 2000 pompes! Pensez-vous, Monsieur Kim? Que t'es vraiment pas gagné pour eux, Tef. Ouais. On va leur faire suivre le programme intensif, alors. Plus vite, sbire montagnier! Plus vite! Mais t'as pas fini de brouter le gazon? Tu veux devenir un sbire ou une lesbienne? Allez, on ralentit pas! Votre main, vous avez de l'endurance! On frétille, on se baisse, le goujot furtif de Saigon. Je suis un sbire et je suis heureux. Je suis un sbire et je suis heureux. On va crever comme des gueules. On va crever comme des gueules. Allez, sbire Kojak, c'est vous tout ça. Eh, mais c'est quoi ça? C'est un artefact de puissance? Non, c'est un ukulélé. Et ça fait mal? Ça dépend comment t'en joues. Trop fort. Vas-y, fais voir. Soit. Dis donc, Julien Doré, tu te crois casting de la nouvelle star? Non, monsieur. Donne-moi ça! Et va me faire un tour du parc à cruche-pied et que ça saute! Mais ça fait au moins 3 km de périmètre! Mange-toi, ou je te colle ton instrument là où le soleil ne brille jamais! Allez! Et vous aussi, tant qu'on y est! Et ça fait longtemps que dans le fétichisme? Oh, tu sais, le cuir et la tête, plus qu'une passion, c'est un art de vivre. Mais quoi est-ce? Bien, l'entraînement d'endurance est maintenant terminé. Bravo à tous. Nous allons tester vos progrès. Sbire Jupette, viens ici. Qui ça? Moi? Oui, toi, la cousine de Brevert. Viens me montrer que t'en as sous ton kilt. Rassure-moi, tu portes bien des sous-vêtements là-dessous. Bah oui, c'est une tenue japonaise, pas écossaise. Ok, ok, on a compris. Bon, tu te mets bien en position, là. Comme ça? Voilà, t'as bien tête d'appui. Je sais pas toi, mais je me sens mieux à ma place qu'à la sienne. Je te le fais pas dire. Prêt? Non. Tant pis. Oh! Ah! Il est mort? Presque. C'est bizarre, il aurait dû encaisser. Petits scarabées ne sont pas prêts. Bon, vous n'êtes pas encore chaud là. C'est reparti pour un tour d'endurance. Entre tout le monde. Je suis un sbire et je suis heureux. Je suis un sbire et je suis heureux. On va crever comme des gueux. Bien, cette fois-ci, vous devriez avoir fait quelques progrès. Nous allons tester ça tout de suite. Sbire Corbier, attaque-moi.
C'est que... j'aimerais pas vous faire de mal, monsieur. T'inquiète pas, j'ai les autres leads. Bon. Oh, mais t'es pas potable, il est en patte de Yoda ou quoi? Je comprends pas, Son Goku, au bout d'une heure de cet entraînement, il devient super balèze. Pourquoi ça marche pas avec eux? Comme disait un gros sage de chez moi, la perfection est à chemin, mon innocent. Quel est le rapport? Aucun, mais je trouve que ce proverbe est une putain de classe. Il aurait pas dû crier Kamehameha plutôt? Bah non, c'est une contrefaçon coréenne. Ah. Si ça marche pas pour eux, comment on va faire pour les mener au top? Ne vous inquiétez pas, laissez le vieux Kim se charger de la tweet. Vous n'êtes pas encore prêts, bande de moules? On reprend l'entraînement tout de suite! Je suis un sbire et je suis heureux! Je suis un sbire et je suis heureux! Oh bah, je crois que c'est comme Diego! Oh! Oh là là, mais c'est un désastre! Mais non, Tef, regardez, il y en a 5 qui ont survécu, t'es plutôt pas mal! Et c'est qui les meilleurs? On est trop des killers! Ouais, bah vous vous ferez des mamours quand vous aurez passé le dernier test de la journée, hein! Le dernier test? On va encore manger des caméas coréens? Non, non, fini les blagues d'énergie cosmique, maintenant vous allez traverser ce champ! Traverser le champ? Oui. En un temps donné? J'ai jamais parlé de limite de temps. Mais on doit le traverser, c'est tout. Voilà. T'aurais pu les prévenir pour les mines. T'aurais été moins fun. Certes. Oh, il y a un petit chanteur qui a trouvé une nouvelle bombe de Monsieur Caleb. Du coup, aucun sbire n'a été sélectionné aujourd'hui. Quand les baleines te battent, les crevettes ont le dos bridé. Je comprends rien, tes chinoiseries. Moi non plus, mais faut pas vous en faire, chef. Et y a encore tout cela avec qui on peut jouer. Oh, comme ça fait trop peur. Tes formes ont encore assez de force pour fuir. Bon bah, y'a plus qu'à attendre qu'Hippolyte nous envoie une nouvelle fournée de recrues. Connaissant M. Kurtzman, ça devrait pas prendre trop longtemps.